Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une imitation de Pâques, mais ça change un petit peu de d'habitude. Parce qu'aujourd'hui je suis accompagnée de Sangel, donc je vous montre sa chaîne, elle est avec moi là. Et la team citron. Voilà, donc je vous montre sa chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Là je vous montre sa chaîne sur YouTube, je vous mettrai aussi en description. Et en fait, bah du coup aujourd'hui on va toutes les deux faire l'imitation du Pâques, et à la fin... on va chacune aller faire l'imitation de notre côté, et à la fin de la vidéo on vous montre chacune ce qu'on a fait. Donc si vous voulez voir comment elle a fait son pack, son imitation à elle, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à elle. Voilà, bah écoutez, c'est parti, on y va. C'est parti pour le shopping. Donc je vous mets une petite image de du pack sur l'écran pour qu'on puisse un petit peu visualiser. Bon, je vous avouerai que j'ai un peu beaucoup peur, parce que franchement ce pack il va être complètement difficile à refaire. Étant donné que c'est quand même une coupe qui est très très spéciale, la robe pareil, bon après les ailes on peut en retrouver, ce sera pas exactement les mêmes, mais ça va être quand même chaud hein. Moi je prédis que ça va être super difficile à refaire ce pack. Donc déjà on va mettre la movie star à Walpé, et on commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la robe? J'ai envie de commencer par le plus facile, c'est-à-dire les ailes, parce que au moins voilà, les ailes pour ressembler au pack. Et écoutez, c'est parti, je vais aller chercher des ailes. Ok, je suis remontée dans les thèmes. Page 8, le thème Love, les Ladybug, qui a l'air d'avoir quand même des ailes. Alors, il me semble qu'il y avait un autre truc féerique aussi, mais on va déjà aller checker par là ce qu'on trouve. Dans ce thème, du coup, il y a 4 ailes. Donc, il y a une quatrième paire d'ailes un peu plus loin, mais qui ressemble pas forcément au pack. Bah d'ailleurs c'est ceux-là qui sont là sur la madame, sur la mademoiselle, la fée. Et ici nous avons du coup 3 ailes, donc c'est vrai que ceux-là sont magnifiques, mais forcément ça coûte en diamant. Le but étant quand même de proposer un look qui est le plus approprié à un maximum de personnes. Donc là nous avons une version très 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 jolie mais qui est VIP, et une version qui est non VIP. Donc moi je vais prendre la version non VIP, même si je trouve que celle qui est VIP elle est quand même un peu plus sympathique et peut-être un peu plus ressemblant à cause des petites paillettes qui est un petit peu plus. Mais bon, je vais prendre celle-ci juste pour que si vous voulez racheter le pack, bah du coup racheter l'imitation de pack, vous puissiez quand même avoir accès, pour le plus grand nombre d'entre vous, à ce pack. Mais voilà, c'est au moins vous le savez, vous êtes au courant qu'il y a une version VIP qui est peut-être un petit peu plus adaptée. On va juste changer les couleurs, on va essayer de faire des couleurs qui ressemble. On va peut-être aller voir dans les nouveaux, voilà, parce que franchement dans les nouveaux je pense que cette palette là de couleurs correspond le mieux. Alors on va essayer de faire un truc ressemblant. Ça c'est sur le bout des ailes, peut-être un peu plus clair. Ouais, je trouve comme ça c'est pas mal. Je trouve comme ça on est bien. Et maintenant, bah déjà je vais l'acheter, je vais être cramée. Il y a tout le monde qui va savoir que je suis en train de faire l'imitation, mais c'est pas grave. Et on va aller, bah du coup maintenant on va aller chercher quoi? Bah on va peut-être essayer d'aller chercher les cheveux, hein, histoire de mettre un palier de difficulté quand même. Donc nous sommes partis sur les cheveux longs. Et du coup je vous avais dit une fois en live que selon moi le nouveau pack qui allait sortir, du coup qui est déjà sorti aujourd'hui, bah les cheveux ça me faisait penser beaucoup au manga Fairy Tail. Je sais pas si vous regardez l'animé Fairy Tail. Moi je regarde, je suis dans les épisodes 250 toujours, j'ai pas bougé. Mais ça me fait penser à la coupe de Flair dans Fairy Tail. Vous savez, la fille avec les cheveux rouges, la fille des géants. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de chercher la coupe. Alors là franchement voilà, ne me blâmez pas pour la coupe, mais ça va être je pense limite impossible de retrouver une coupe même ressemblante. Donc on va essayer de trouver quelque chose le plus ressemblant possible, mais je vous promets rien. Bonjour, c'est la quinzaine du montage. Voilà, je fais un petit voix off, voix, je sais pas quoi, pour vous dire que finalement j'ai choisi cette coupe là. Je suis désolée, alors mon montage c'est du gros caca, c'est n'importe quoi, j'ai mal filmé, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc je voulais quand même vous prévenir. Et du coup bah voilà, la coupe que vous avez vue tout à l'heure, bah, c'est celle que j'ai choisie. Là je devais choisir les chaussures, j'ai choisi celle à tentacule parce que bon finalement je n'ai rien trouvé d'autre. Et pour la robe j'avais pris celle-là au cas où je n'en trouvais pas d'autre. Et vous allez voir que finalement j'en ai trouvé quand même une autre. La fille qui spoil, non mais... Non mais allô, voilà, donc je suis vraiment désolée pour le montage, pour la voix, etc. C'est le mauvais micro et tout, j'ai pas compris pourquoi. Celle-ci est pas mal, mais pareil, hein, c'est pas exactement la même chose, c'est juste que je trouvais qu'elle allait bien avec les sortes d'éléments, vous voyez sur les bras, les éléments dorés. Voilà, surtout grâce à ça, mais sinon normalement il n'y a pas de bretelles et c'est ça qui gâche un petit peu le truc, j'en ai marre, ok.
Nous sommes arrivés à la dernière page. Oui, j'ai fait tout ça tout en laguant. Oui, je laguais énormément. Quelle idée de faire une vidéo à cette heure-ci où tout le monde m'envoie des messages et je lague à mort. Mais c'est pas grave. J'ai quand même réussi à aller au bout et finalement, ça a servi à rien. Wesh, j'ai fait toutes les pages pour rien. Puisqu'au final, je reste sur ce choix-ci, du coup, qui est pas forcément ressemblant. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas possibilité de trouver une imitation digne de ce nom. Donc j'espère que vous kifferez quand même et je vais vous montrer du coup le look complet. Et voilà ce que donne le look final. J'espère que vous aimez bien. Donc on va appeler ça imitation avril. Non, c'est plus vraiment avril. J'en ai février, mars, avril, mai. On va mettre le mai puisque avril c'était du coup celui de Pâques que je n'ai pas fait parce que voilà, il était aussi compliqué. Donc on va marquer imitation Pâques mai 2019. Bon, c'est pas ouf. Hein. Je vais mettre en parenthèse pas ouf hein, quand même. Mais bon. Hein, c'est le jeu, je l'ai fait, j'espère quand même que vous aimez bien. Et je vais vous montrer maintenant l'imitation de notre très chère amie accompagnatrice de cette vidéo. Eh bien écoutez, on n'a pas réussi à se recapter pour la fin de la vidéo, du coup je vous montre son look, mais bon, on pourra pas réagir en direct sur le look l'une de l'autre. Bref, voilà, donc ça c'est le look, du coup ça c'est Sanjess, c'est son compte MSP Magic Stila. Et je lui ai envoyé une petite demande d'amis, donc si tu regardes la vidéo, voilà, tu peux m'accepter s'il te plaît. Et voilà, je vous montre son look. Alors déjà, on a pris les mêmes chaussures, ça ne m'étonne pas, je crois qu'elle a juste inversé les couleurs. Ouais, moi j'ai mis le doré ici et elle a mis le doré en principale couleur. On a inversé les couleurs mais on a pris les mêmes chaussures. Je pense que je préfère quand même sa couleur verte, que la mienne elle est un peu plus pâle. J'aurais peut-être dû mettre une couleur un peu plus foncée. La robe on n'a pas pris la même, mais en même temps c'est chaud hein. La robe c'est pas possible de retrouver la même hein. Voilà, c'est compliqué. Et alors, la coupe on n'a pas la même. Et les ailes on n'a pas les mêmes non plus. Alors il me semble que les ailes là c'est celles que j'avais dit qu'ils étaient VIP. Donc éventuellement en vrai j'ai pris le reste quasiment. Non, je crois qu'il n'y a que la coupe qui est VIP sur mon truc à moi. Mais en vrai voilà, si vous voulez, je trouve que quand même ces ailes elles sont plus jolies. Si vous êtes VIP prenez peut-être plus celle-ci. Bon moi j'ai pris celle-ci parce que c'était du non VIP. Et bon par contre les cheveux je préfère quand même les miens. Je préfère quand même les miens, mais après, en dehors de ça, je trouve que les deux looks sont très très bien. Dites-moi lequel vous préférez. Après, moi, c'est surtout parce qu'il y a le dégradé vert et tout, qui fait que je trouve que c'est un petit peu plus ressemblant. Mais en vrai, elle a quand même bien réussi aussi l'imitation du pack. Mais bon, on va pas se mentir, hein, c'est ressemblant. Enfin, on assimile parce que le pack vient de sortir. Donc on comprend qu'on a essayé d'imiter le pack. Mais la finalité reste quand même que c'est très loin de ressembler au pack actuel. Au moment où du moins on tourne cette vidéo. Mais c'est très 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 lointain. Mais bon bref, c'est pas grave, on a joué le jeu, on a essayé. Maintenant le but ça va être pour vous de choisir lequel vous préférez. Alors là on parle pas d'un point de vue esthétique général du look, mais là on parle lequel vous pensez qui est le plus ressemblant au pack actuel. Là on parle pas de beauté du look etc. Là le but c'était d'imiter le pack et non pas faire une imitation jolie mais qui ressemble pas finalement, donc pas d'imitation. Bref, vous m'avez compris. Dites tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à aller voir la chaîne du coup de Sanjell, hein. N'oubliez pas, c'est en description pour voir sa version de la vidéo. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao.